tu le descends un peu. Ouais, vas-y, on va le descendre un peu. Stop. Hop. Et Lucas, il a l'air d'être concentré. Je suis sûr qu'il va y arriver du premier coup, loulou. Hein? Regardez ça, petit bonhomme. Souris pas, Lucas. Comment tu veux dire un enfant ne pas sourire? Regarde-toi là-bas, là. Arrête de faire pour regarder votre identité. Veuillez respecter les consignes suivantes. Régler la hauteur de ta regarde au horizon tourné et positionner votre voile à droite sur la base. Regarde sur la base, il y a droite, ne souriez pas et fermez la bouche. Allez, bouge pas. Regarde petit bonhomme, faut que tu fermes le rire. If you're about to break, oh, 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 I'll always be your captain. For our failures, we have grown. You said just keep holding on. If you're about to break, oh, 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 I'll always be your captain. I'll be your captain. Salut tout le monde. Salut, salut. Bon, encore une nouvelle vidéo. On se retrouve en voiture encore. Encore dans la voiture. On va faire que avec ça, juste uniquement les deux petits. Et Julia, mets tes ceintures. Dépêche-toi. Regarde, les bandits sont pas contents quand t'enlèves tes ceintures. Hein. Dépêche-toi, mets tes ceintures. Allez. Donc, et ouais, encore une journée. Encore une journée où on va faire les magasins. Ouais, non, franchement, il faut. Ouais, là, franchement, on va vous expliquer. Jérém, il a, je vais pas dire qu'il a fini ce qu'il avait à faire. Il a fini les évacuations, il a fini tout ça, et il devait faire les lanterneaux pour Caligaz. Et en fait, il pleut. On a dit c'est un temps idéal pour aller faire les magasins. C'est ça. Donc, aujourd'hui, on va aller acheter la machine à laver le frigo pour programmer la livraison parce que du coup il nous livre. Du coup on va aller chercher la cuisine. Je suis trop contente. Ah ouais, c'est clair. Voilà. Moi aussi je suis trop contente. Regarde le petit lapin. C'est un lièvre. Ah non, c'est un petit lapin. Donc voilà, on vous redit à tout à l'heure. On se retrouve au magasin. On va vous montrer tout ça. Hier on avait déjà été. On a déjà choisi la cuisine qu'on voulait. Là on va juste la commander. La commander, l'acheter, la prendre. Qu'il y a du stock. Ouais, je pense normalement ça a des trucs qui ont du stock ça. Ouais. Allez, on vous reprend tout à l'heure. Donc on aura cuisine à monter, les lits des enfants, ouais. Tout ce qui est électroménager. Et après, on fait quoi? Bah, les canapés. Après, ça sera canon. Et on hésite, et sur le, on hésite aussi sur les lits, sur les coffres de lits. Ah oui. Moi, je veux faire des coffres, enfin, moi, je sais pas, moi ou toi. Ouais, ouais. On hésite avec des coffres à roulettes, mais on se dit ça va être chiant peut-être de tout enrouler. Après, les coffres qui se lèvent par le dessus, on trouvait ça moins pratique. Mais bon, on a plus de rangement. En fait, ils ont tous des avantages et des inconvénients. Il y a sinon, plus d'inconvénients sur les trucs à roulettes. Sinon, on pensait tout simplement des portes, en fait. Ils iront chercher leurs caisses à jouets, en dessous. Les faire rouler. Ça, on hésite avec ça. Ouais. Donc, à avoir le temps de faire tout ça, on a le temps d'y réfléchir. Ouais. Alors, vous reprend tout à l'heure au magasin. Tout à l'heure. Voilà, ça y est, c'est commandé. Ça y est, on est livré demain matin. Donc, on a hâte. C'est trop cool. Et on est livré avant 13h et à 13h on s'en va pour faire les passeports. Ouais, donc faut donc vraiment ça va être short. Que, ouais, faut vraiment que demain ça soit livré demain matin. Bah ils disent entre 8h et 13h. C'est marrant pour l'équipe de livraison, c'est quoi? C'est un appartement, une maison, c'est un autocar. Hein? Non, okay. Ils ont dit non mais vas-y sérieusement. Non, non, c'est vrai, c'est un autocar, il y a juste 3 petites marches et c'est bon. Du coup c'était voilà. Marrant. Allez, et là ça flotte, hein, regardez. C'est la atroce, misère. Atroce. Allez, on va chercher la cuisine et puis on se retrouve tout à l'heure. Ciao. Oh, c'est galère. Ça y est, regardez, on a pris tous les machins, les caissons, les charnières, les rails amortis, parce que les caissons de 80, ils sont entièrement sur rail avec des casseroliers, tout ça. On avait inversé des références et tout. Heureusement que j'ai vérifié. Que Charlotte a contrôlé. Je ne sais pas si tout va être nickel. C'est bon, clair. Il nous on manque les juste les aussi. Façades. Il faut les prendre les façades. Il nous manque les façades pour les tiroirs. Donc on va aller à l'autre magasin qui est à côté. Et il nous manque aussi le petit rangement de 15, vous savez, pour les épices. Ouais. C'est galère, franchement, heureusement que le gars, quand même, il était là pour venir nous aider. Qu'est-ce que tu viens d'aller chercher? Je viens d'aller chercher, attends, je vais l'ouvrir. Je viens d'aller chercher notre petite plaque.
Oh, c'est trop beau, on dirait une plaque de médecin. Ouais. Notre petite plaque de transformateur avec le numéro d'identification et le modif RTI. Voir. Voilà. Donc ça, comme c'est obligatoire flash. Quand on fait un camping-car en VASP, c'est obligatoire. On devient transformateur. En fait. Voilà. Donc, comme ça n'a pas été fait par un professionnel, il faut mettre le nom de celui qui a construit le camping-car. Monnier. Donc comme c'est nous... Chez toi, Monnier, tu fais des bus. Donc au final, je suis allée la chercher parce qu'elle est arrivée, parce que c'était sur commande. Salut. Oui, c'est nous, les Valroya. Ah, c'est cool. Merci. Au revoir. C'était les fans, excusez-nous. Et donc, au final, elle vient... Tu les as pas vus? Non, ouais, je t'adore. Il y avait des fans qui sont passés. Ouais, mais c'est, je suis d'accord. Il y a des fans qui sont passés, je vais bien les saluer. N'empêche, en parlant de ça. Bon, attends. Là, c'était pas vrai. Mais l'autre soir. Mais si, c'était vrai. Là, on est allé au restaurant l'autre soir. Et du coup, il y a des gens qui nous regardaient. Au final, quand ils ont été payés, ils nous ont dit ah, il y a une bête. C'est toi, tu disais. Arrête pas de me regarder, les gens là. Et en fait, non, ils sont. Charlotte, t'as l'horreur quand on la regarde. Et en fait, les gens, ils nous ont reconnus. Du coup, le monsieur, il arrive et il dit « Excusez-moi de vous déranger, mais j'aimerais vraiment bien serrer la main des vadrouilleurs, en vrai. » Et du coup, on serre la main, puis on a papoté. Ils allaient en Bretagne et ils venaient d'Alsace. Voilà. C'était marrant. Ouais. Salut à vous, si vous reconnaissez. Et c'était au marrant. Final, on est allé chercher la plaque qui sera obligatoire à mettre à côté de la boîte à gants. La boîte à gants est dans l'auto. Et on est encore dans la voiture. Il dit la boîte à gants dans la voiture, non? Il dit non, quoi? Dans l'auto. Et l'auto? L'auto. Ah non, maman, m'a volé l'auto. Et il y a mes lunettes? Ben non, tes lunettes, elles sont dans la boîte à gants. La boîte à gants dans l'auto. C'est ça qu'il dit. Un truc comme ça. Ouais, ouais. C'est ça qu'il dit. Ouais. Bon, là, on va faire les photos. Vous êtes beau, vous êtes bien. Pour les passeports. Bon, moi, j'ai pas de coiffure. Et le truc, c'est que Lucas, l'année dernière, on n'avait pas réussi à le mettre en photo au photomaton. Parce qu'on avait dû refaire nos cartes d'identité. Donc là, il a grandi un peu, on va essayer. On avait été de toute façon, c'est mort. Il va falloir que ça fonctionne parce que. C'est demain. C'est demain. Alors, je vais essayer de la pâter avec des gâteaux. Tu sais, je vais faire. Regarde, Lucas, un petit gâteau. Hop. Mais bon, faut que je gère bien. Ouais, pas qu'il ait la bouche pleine, quoi. Ouais. Non, mais je vais juste la pâter. Tu sais, la carotte, qu'il... comme si c'était un âne, tu et sais. Il faut pas que... qu'il sourit parce qu'à chaque fois qu'il veut se prendre en photo, il est comme ça. Ça va être chaud. J'espère que ça va aller. Allez, on fait ça. On va bien rigoler, je pense, encore. Oh là là, pas facile. Bah là, ça y est, Charlotte, elle est stressée, elle est dans tous ses états. Comment on va faire? On est en train d'essayer de joindre des photographes. On va y aller directement, on est juste à côté. Sinon, bah, on a toute la matinée demain. Hein. On a rendez-vous à 14h. On va bien réussir à gérer le truc, j'espère. Voilà, je vais vous mettre les clichés là, de nos photos d'identité. On a vraiment des drôles de têtes. Come on.
Eh oh, reste là, reste là. Pourquoi tu t'en vas là? Pourquoi tu vas te cacher? T'as vu comment je suis habillée? Ah voilà, vous avez vu le petit timelapse, il est quelle heure là? 23h51. Ouais, minuit, il est quasiment minuit. Et ça y est, on a monté les deux meubles de 80 avec tous les tiroirs. Bon, bien sûr, il y a une fixée, hein, donc ils ne tiennent pas trop encore. Il y a des petits réglages à faire, mais je ferai les réglages quand tout sera fixé. La gazinière va être reculée un tout petit peu. Normalement, en profondeur, on est bon. Voilà, on laisse une petite marge de 6 cm pour laisser passer l'air. Il y aura le plan de travail qui va venir et il y aura des grilles d'aération qui permettront au chauffage de venir voilà, épouser le mur comme ça. Et normalement, l'air froid passe en bas et chope l'air chaud. Et ça fera une circulation comme ça, comme les chauffages à Aldé, en fait, hein, qu'il y a dans les camping-cars. Et là, on a un meuble de 60 avec l'évier. Voilà, là, on a un meuble de 40 qui n'est pas bien mis, c'est pas grave. Voilà, avec un petit range épices, si on peut dire ça comme ça. Et là, un petit meuble de 40 avec tiroir. En dessous, on a accès à nos robinets, clac clac, à nos robinets de gaz. Tiroir. Avec une porte, ouais. Et du coup, j'ai envie qu'on essaye, tu sais, les viens. Et là, pour vous situer un petit peu, il y aura le frigo et la machine à laver, avec un plan de travail sur la machine à laver. Ouais, c'est exactement ça. Voilà la bête. Voilà la bête en question. Nice. En tout cas, ça commence à rétrécir les pièces. Hein, chouchou. Ah, c'est attaqué par une mythe. Bah, on n'a pas mis les moustiquaires, forcément. J'arrête pas de te le dire. On a des moustiquaires, on les met pas, on se fait attaquer. C'est clair. C'est dingue, ça. Je vais la mettre dehors, mais j'ai pas réussi. Voilà. Oh, je vous avoue, moi, je suis rincé. Ouais, moi aussi, là, je commence à être fatigué. Là, là, on a pas fait une bonne journée. Magasin, ma journée route et tout. Voilà, on va y avoir un petit peu de découpe à faire. Et puis, vous avez les petits paniers que vous pouvez mettre dedans. Attends, c'est trop bien, tu laves ta salade. Pour faire sa petite salade. Tu laves ta salade. Hein, tu laves ta salade et tu la mets dedans. Mais c'est génial. Après tu fais hop, puis tu la sers. Tenez de la salade, hop. Comme ça tu fous le coup. Après, comme les gens ils sont partis parce que tu leur as acheté la salade dans la tronche, ben tu faut faire la vaisselle. Hop, tu fais ta vaisselle. Et puis tu peux la et mettre ici. Tu mets ici. Trois verres et il n'y a plus de place. Et tu peux la mettre ici et goûter. Regarde, tu peux mettre tes petits couverts, tu finis ta vaisselle. Je sais pas si on peut mettre comme ça aussi. Ah, ouais, tu peux rincer ta vaisselle directement. C'est un carré en même temps. Tu vois? Et si tu veux découper quelque chose, comment et ben tu peux en même temps la mettre en même temps que ton égout de salade. Parce qu'il est plus grand. T'as vu? Et tu peux même faire passer ton égouttoir à salade sous la planche à bambou. C'est génial. Regarde, tu dis là, attention, salade, et là, plus salade. Ha! Tu le savais pas qu'il faisait ça, parce qu'il y a deux rainures. Si, je le savais. Et la bambou, elle est plus large. Je le savais. Non, tu le savais pas, parce si qu'au magasin, tu l'as pas dit. Voilà. Tu vois, là, tu peux découper les trucs, et puis tu balances ça, et puis, ah, tiens, ça, je vais le jeter ici. Hop, je suis sûr que ça va être pratique. Tu me fatigues. Eh, vous avez vu, vous êtes témoin. Elle est en train de se foutre de moi. Elle dit que c'est de la crotte. J'ai eh ben, on va voir quand elle sera en train de faire ses vidéos. Alors, je vais vous montrer une petite recette, et puis là, elle poussera sa petite planche, elle sera en train de découper dessus. Non, t'as dit que c'était de la grosse merde. Eh ben non, c'est ce qu'on verra. Non, j'ai pas dit ça. Ouais, non, mais je retiens, les bandits retiennent aussi. Et est-ce qu'on peut mettre la vaisselle à essorer par-dessus la salade? Maintenant, est-ce que c'est de la salade? Eh bien oui, dans le mille et mille, on peut essorer la vaisselle au-dessus de la salade. Génial, comme ça, la salade, elle est plein de savon, c'est génial. Salut. Bon, on se retrouve ce matin pour démonter ça et pour mettre le lanterneau. Il est 7h50. On n'a pas beaucoup dormi, mais en même temps, on n'arrive pas à dormir. On a envie de le finir, ce bus. Donc du coup, on fait des toutes petites nuits, mais c'est pas grave. On se reposera mieux plus tard. Je sais qu'il s'enlève ce lanterneau entièrement. D'accord ? Hier, on l'a laissé ouvert pendant qu'on était parti faire les courses. Et il y a une pluie, mais un truc de fou. Et ça en a mis partout. Ça en a mis jusque sur le papier peint, par terre, le tapis là est complètement mouillé. On a oublié, voilà, ça arrive. Hein. Voilà, ça nous apprendra à pas regarder quand on s'en va.
Donc il y a deux petites poignées rouges, vous voyez, issue de secours. Une ici, mais par contre j'ai une serrure, je sais pas trop comment ça fonctionne. Oh bah c'est génial ça. Ah, il y a une sangle. Ok. Et la sangle, on fait comment? Oh, il y a plein de flotte. Et on peut pas les enlever. Ah ok, en fait on l'enlève et puis on peut le coulisser mais il peut pas s'en aller parce qu'il y a la sangle. C'est avec un rivet, alors c'est où je perce et je remettrai un rivet plus tard. Ouais, je peux faire ça. Bon, voilà, ça y est, c'est démonté. Je vais poser ça sur une petite table pour faire du bien à mon dos. Parce qu'hier, on a posé la moitié des meubles par terre. Après, une fois qu'ils étaient montés, on s'en est servi comme plan de travail, mais au début, c'est un peu galère de tout monter par terre. If they don't love us, we don't need them. Let's find our own brand of freedom. If they don't love us, we don't need them. Well, let's find our own brand of freedom. Well, I don't mind the slow down anymore. Voilà, là il est monté. Maintenant on va l'ouvrir. Et on va voir ce que ça donne. Par contre, les petits morceaux de laine de verre, j'espère que ça va pas s'envoler. Hein. Voilà. En effet, c'est un tout petit peu de biais, mais c'est pas non plus super super grave. Tiens, mais je vais en profiter pour faire mes joints. Non, ça va, je pensais que ça allait être pire. Regardez. Vous voyez ce que ça donne? Ouais, c'est sûr que c'est pas super, super costaud. À mon avis, il faut pas rouler en roulant avec ça. C'est dommage, hein, parce qu'ils auraient fait pareil de l'autre côté. Ça aurait été super costaud, ça aurait fait ça, quoi. Donc ouais, c'est dommage. Voilà, c'est un super beau, super bon lanterneau, bien, bien étudié, aérodynamique et tout. Et ils ont chié sur l'ouverture. Ouais, ça c'est vraiment bête. Et c'est Tulle hein, qui fait ça. C'est vraiment moche. Bon, et bien voilà la fin de cette vidéo. Et oui, déjà, je sais, c'est déjà la fin. Mais vous inquiétez pas, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo où on va monter tout ce qui est électroménager et bah tout le reste aussi, hein, branchement machine à laver, branchement évier, on va voir ce qu'on va acheter en robinet pour l'évier, tout ça, mitigeur. Et ça sera pas mal. Et là, on avance grandement vers la date qui est le 20 pour le contrôle Caligaz. Voilà. Donc à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Et prenez soin de vous. Bye bye. So now you're here again, knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. The lights went out cause you kept cutting the cord. And I started to fade into your grave. See, I finally opened up my eyes.